Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du jour. Alors si vous entendez du bruit, je m'excuse par avance, j'ai le petit qui est malade, donc ça peut un petit peu gigoter. On a l'ange de la sagesse qui est avec nous. Décidément, en ce moment, on est très sage dans nos prises de décision. On réfléchit de la bonne façon, de la bonne façon pour nous, avant tout. Il y a une question aussi d'être ancré vraiment, d'être ancré dans Gaïa, d'avoir étudié une situation, de ne pas prendre de décision à la légère, j'ai envie de dire. Voilà. On est vraiment dans cette notion de. Vous savez, quand on prend une décision en paix, là, on est en paix parce qu'on sait qu'on y a réfléchi, parce qu'on sait ce que vit notre âme, parce qu'on sait que. Voilà, des fois on peut être déçu, mais on sait que c'est la meilleure solution pour nous. Bah, par exemple, ça peut être ça. On a un message. Une bonne nouvelle, une issue heureuse. Voilà ce qui arrive à nous, avec la paix aussi. Alors peut-être qu'on attendait une communication et qu'on lâche prise et puis que du coup ça débloque une communication. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, cette notion de recevoir des messages aussi. Pour moi, c'est vraiment des messages du haut, hein, des messages de plus haut, des messages de la source. Il y a un message peut-être qu'on ne voulait pas entendre jusque-là et que là, on va entendre. L'animal qui nous suit, c'est le pélican. Avec le mouvement, on vous dit que les choses bougent, les choses avancent, on ne stagne pas. Justement parce qu'on prend les bonnes décisions pour nous. Et en d'autres decks, on a le chien avec la loyauté. Donc on va rester fidèle, bah fidèle à nous-mêmes en fait, ici dans ce tirage, clairement. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit avec les tarots. Quel est le message pour aujourd'hui avec les tarots? Ça, c'est les messages généraux. On va aller voir plus en profondeur. Regardez, on a encore une fois l'étoile. Hein. L'étoile, c'est les messages divins. On vous dit que vous êtes guidé. Le 7 de coupe, on vous dit que vous étiez dans l'illusion. N'arriviez pas à faire un choix au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Il y a quelque chose où peut-être on se dupait, on se leurrait. On a besoin de s'équilibrer. On va être juste par rapport à nous-mêmes. Et on va avoir la force d'être juste. Et en d'autres decks, on a la tempérance. Quelque chose d'important qui se joue là pour vous, parce que c'est quand même quasiment que des arcanes majeures. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que vous êtes guidé. On vous dit qu'il y a les signes qui sont là. On vous dit que vous êtes guidé peut-être pour prendre une décision, pour être plus sage par rapport à vous, voyez, pour aller dans le bon chemin de vie. Vous étiez dans l'illusion dans une situation. Il y a quelque chose où soit vous n'arriviez pas à faire un choix, clairement, soit il y a cette notion de. Alors attendez, j'essaye de. Je ne sais pas si c'est droit pour vous. Soit vous n'arriviez pas à faire un choix, soit vous vous trompiez dans un choix. Vous voyez, là, vous allez vous rééquilibrer, vous allez être juste, juste par rapport à vous-même. Il y a cette notion de vouloir retrouver cette justice aussi. Alors, soit c'est la justice divine et c'est le karma qui tombe, soit c'est vous vraiment qui tranchez, qui coupez dans une situation pour être juste par rapport à vous et par rapport à vos idéaux. C'est encore une arcane majeure. Et on vous dit que vous avez la force de dompter votre mental pour écouter votre côté spirituel. Et le côté spirituel, c'est souvent la sagesse. Vous voyez, le mental, il va nous mettre dans la peur qui est complètement irrationnelle. Et vous, là, vous allez aller vers plutôt la spiritualité, qui est l'intelligence émotionnelle et qui va nous mettre dans la vérité du cœur et pouvoir écouter aussi les messages qui sont faits pour vous. Donc vous bougez, mine de rien, dans vos énergies. On a la tempérance qui arrive et qui est à venir. La tempérance, c'est le fait de prendre le temps de communiquer clairement, prendre le temps de nettoyer peut-être les énergies, prendre le temps d'avoir quelque chose de plus fluide dans notre vie. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est vraiment prendre du temps pour vous dans ce tirage-là. Et ça, c'est important. On va aller voir avec le Lightseer Star, on va aller compléter tout ça sur l'étoile. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes meilleurs métiers et la source sur l'étoile. Sur l'étoile, on nous parle d'abondance. Vous êtes guidé pour aller vers votre abondance, pour aller matérialiser un projet, pour aller matérialiser un projet en écoutant vos intuitions. Il y a quelque chose qui va se matérialiser, mais qui va être bien, vous voyez. Alors, ça peut être l'amour, hein. C'est pas un projet, il faut voir ça plus global. Vous voyez, vous êtes, par contre, vous êtes peut-être trompé, peut-être que vous pensiez que vous pouviez investir quelque chose avec une personne, et puis c'était pas la bonne. Et là, par contre, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Peut-être que dans votre travail, vous allez rencontrer la bonne personne. Il y a cette notion de faire les bons choix pour soi et que ça nous apporte toutes les possibilités, non seulement l'abondance, mais en plus une vie de famille heureuse, épanouie.
des enfants ou des enfants heureux et épanouis si vous en avez déjà et que vous n'en avez pas. Oui, regardez, le 6 de, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on vous dit de quitter. Vous quittez quelque chose, là. Il y a quelque chose que vous quittez. Alors, vous quittez quelque chose, vous êtes quand même triste. Hein. Mais vous savez que vous devez partir, en fait. Et puis, on vous aide. Vous avez fait votre valeur, vous partez. Vous quittez une situation. Et c'est ça, être juste avec vous. Et vous avez la force d'écouter votre cœur, en fait. Le valet de coupe, il va écouter la petite voix de son cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur dans cette situation-là? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça vibre pas? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me correspond pas? Bon, on a ce 4 de bâton qui arrive derrière. On vous dit qu'avec le temps, derrière, ne vous inquiétez pas, vous trouverez non seulement la stabilité. Le 4 de bâton, c'est aussi l'engagement. Hein. C'est aussi le mariage, l'engagement, les festivités. Donc, il y a vraiment cette notion d'un bel engagement avec la bonne personne, d'un engagement dans son travail, d'un engagement par rapport à soi-même. Il y a cette notion de pouvoir avoir sa vie et les personnes autour de soi avec lesquelles nous sommes très équilibrés. Et vous êtes en train de nettoyer ça en ce moment. On vous dit que c'est une chance de vous concentrer sur votre travail. Peut-être là, il y a vraiment une notion de se concentrer sur ses intuitions, sur la matérialité et sur son travail. Quoi. Mais j'ai l'impression que c'est prenez soin de vous. Vous voyez, il faut sortir des illusions. Vous allez poser un verdict définitivement. Il y a quelque chose que vous allez poser comme verdict, genre ça, moi, j'en veux pas. Moi, ce que je veux matérialiser, c'est un 10 de denier ou un 10 de coupe. Et puis, paf, on pose notre verdict et... on quitte une situation. Bon, on quitte quoi? Une situation où on a été trahi. Trahi, blessé, trompé, c'est un coup de couteau dans le dos. Il y a quelque chose qu'on a très mal vécu, vraiment, et on a besoin de s'équilibrer par rapport à ça et d'être beaucoup plus juste. Ouais, d'être beaucoup plus juste. Je ne vais pas les prendre parce qu'elles ne sautent pas. Et moi, j'aime bien qu'elles sautent. Voilà, et regardez, on va vers la joie, le bonheur, l'engagement. Encore une fois, ça me parle de mariage comme le 4 de bâton. Donc, il y a vraiment cette notion en écoutant son cœur d'être attiré vers la bonne personne, d'avoir la force d'aller vers cette bonne personne, de dompter son mental, de prendre le temps de le faire. Une autre personne, quelqu'un de différent. Alors, ça peut être une personne, ça peut être un autre travail aussi. Moi, là, je ressens une histoire de cœur dans ce tirage, ce qui est rare. En général, je suis plutôt dans le général. Là, voilà, on vous dit encore de faire un choix. Vous avez peut-être pris du retard, mais vous allez avoir la victoire dans une situation. Bon, de manière plus générale, ce tirage est quand même sacrément simple. On vous dit que vous suivez votre étoile. On vous dit que vous vous équilibrez et que vous sortez de l'illusion, que vous sortez de l'illusion et que vous, vous allez pouvoir faire les bons choix pour vous et des choix de cœur. Et excusez-moi, je savais que ça allait être compliqué, mais là, c'est particulièrement compliqué. Regardez, vous vous débloquez dans une situation. J'ai le pendu qui me tombe à l'endroit. Enfin, c'est quand même bien, ça. Le conseil, c'est de vous débloquer d'une situation. Donc, je vais reprendre parce que j'ai été coupée, bien entendu. Hein. Ça, c'est... fallait pas rêver que c'est qu'il en soit autrement. Bref. Qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous parle de l'étoile. Donc, on vous dit que vous êtes guidé dans une situation pour aller matérialiser quelque chose qui vous correspond plus en écoutant vos intuitions, en écoutant votre troisième œil. Vraiment, vous êtes guidé. Vous faites les choses effectivement avec sagesse. Vous allez enfin recevoir les messages, vous voyez. On vous dit que c'est une chance. On vous conseille de vous débloquer, de vous débloquer d'une situation qui bloque. Vous avez besoin de partir d'une situation pour être plus juste, plus équilibré avec vous, de sortir des illusions. C'est-à-dire de choisir ce que vous voulez matérialiser. Un couple, l'amour, une entreprise qui fonctionne, un déménagement dans la ville où vous voulez. Par exemple, vous prenez ce qui vibre en vous, en fait. Hein. Voilà, moi, je vous donne des messages généraux. Et là, vous allez poser un verdict, en fait. Vous allez pouvoir vous équilibrer. Vous allez avoir la force d'écouter la petite voix intérieure de votre cœur. C'est ça qui est important, c'est cette ligne-là. Elles sont toutes importantes, mais celle-là particulièrement. Là, vu que vous quittez une trahison, une blessure, quelque chose, vous allez pouvoir avoir la force de ne pas sombrer dans le mental, dans le attention ou l'ego ou la rancune. Ou vous voyez, vous n'allez pas sombrer là-dedans. Plutôt aller vers votre cœur, une ouverture du cœur et écouter la voix de votre cœur. Et là, vous allez vers un engagement avec la bonne personne, un engagement avec vous-même, en tout cas beaucoup de joie, quelque chose de plus léger. On vous dit qu'il faut prendre le temps de faire les choses et que vous allez vers un mariage, un engagement, quelque chose qui se stabilise. Ça peut être dans une entreprise, ça peut être par rapport à une famille, vous prenez ce qui vibre en vous. En tout cas, vous prenez de la hauteur, vous allez vers quelque chose de différent. Encore une fois, ça bouge, hein, l'étranger, on a encore une fois le mouvement là. On vous conseille de vous débloquer d'une situation. Une situation qui vous bloque un peu et qui ne vous correspond pas, j'ai l'impression, on vous conseille de vous en débloquer.
5, 6, 7, 8. Regardez, on vous dit que rapidement, vous allez poser un verdict. Il y a quelque chose qui s'oppose rapidement là, hein. Il y a quelque chose qui s'oppose rapidement. Et on vous conseille en tout cas de sortir des désillusions rapidement et de poser un verdict rapidement, vous voyez? Ouais. Le 7 de bâton, le 7 de bâton va me parler de... Mais on n'est pas sur les bâtons, là, on est sur les épées. Pourquoi j'ai vu des bâtons, moi? Alors ça, c'est incroyable. Ok, d'accord. Alors vous êtes quand même vachement dans le mental, là. Ça change tout, là. Ouais, bon, là, clairement, on va vous dire on va vous dire de sortir de vos schémas de pensée bloquants, là, clairement. Et on va vous dire, bah, le 7 d'épée, c'est encore une fois la trahison, hein. C'est quelqu'un qui vous a trompé, trahi, blessé, hein. Et on vous dit de sortir de cette trahison, de cette tromperie, hein. Ça, c'est les conseils que je prends. Les conseils sont forts, hein. Regardez, on a l'étoile. On commence par l'étoile, on finit par l'étoile, hein. On vous conseille de suivre votre étoile, de suivre vos guides, d'écouter vos guides, de tempérer vos énergies, de vous débloquer dans une situation, de sortir de vos schémas de pensée bloquants. J'arriverai pas à me débloquer, je ne sais pas quel choix prendre, je ne sais pas quoi faire, etc. Et vraiment de sortir d'une trahison, de quelque chose où il y a vraiment tromperie ou trahison. Hein. D'aller vers un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle entreprise, un nouveau travail, une nouvelle personne dans votre vie, quelque chose qui vibre plus. Hein. Vraiment quelque chose qui vibre plus pour vous. Ok. On va aller voir du coup au niveau sentimental ce que ça nous dit. Regardez, on vous dit que vous avez la protection de vos anges et vous avez vos anges qui vous protègent au niveau sentimental et au niveau émotionnel. Je ressens pour une fois beaucoup du sentimental, hein, donc il y a une épreuve difficile. Il y a quelque chose qui fait mal au cœur, ça pique, c'est difficile. Soit ça arrive, soit c'est déjà là, hein, ouais. Ouais. Regardez, on vous dit qu'il va falloir écouter vos intuitions sur les jours et les mois à venir. Va falloir être à l'écoute de vos intuitions et ça tombe sur la trahison, vous voyez. Derrière, il y a un coup de foudre. Il y a quelque chose qui tombe, il y a un coup de foudre qui va arriver, peut-être avec une personne. Ça va être un amour véritable, ok? Mais j'ai l'impression que vous devez d'abord guérir par rapport à vous-même. Il y a quelque chose que vous devez guérir par rapport à vous-même. On va aller compléter tout ça pour voir ce que ça nous dit. Ouais, vous voyez, on va étudier ces blessures d'âme là. Vous allez prendre le temps d'étudier vos blessures d'âme. On a besoin de lever l'ancre aussi. On a besoin de lever l'ancre pour aller ancrer quelque chose de plus stable. Il y a quelque chose qui ne nous convient pas et on est guidé en ce sens. Regardez, en écoutant vos intuitions, c'est vous qui avez la clé. Vous allez trouver la clé pour débloquer quelque chose au niveau sentimental. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez laisser mourir quelque chose qui ne vous correspond plus. Et du coup, ça va engendrer que vous allez mettre dans la matière, bah, quelque chose de magnifique qui va arriver, c'est-à-dire un coup de foudre qui va arriver à vous. Et regardez, derrière, vous avez le soleil, l'amour et tout ce qu'il faut. Et puis en plus, on a encore le cœur derrière. On va aller prendre un message de votre âme pour aller voir ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que vous dit votre âme? Votre cœur. Écoutez son cœur, voilà le conseil de votre âme. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ses pulsations te guider. Alors, ok, écoute son cœur, très bien, mais qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit encore une fois, ça vous parle, je vous disais, celle-là, elle est importante, le valet de coupe. Voyez? Parce que ça vous reconnecte à votre âme et à votre cœur. C'est vraiment le conseil de votre âme. Reconnectez-vous à votre cœur. Et vous allez avoir la force de dépasser une trahison, une blessure, de quitter une situation qui ne vous correspond pas. Et vous allez pouvoir potentialiser un bon coup de foudre, quelque chose de chouette. Vraiment, laisse tomber ce qui ne vous correspond pas. Mais là, j'ai l'impression que ça joue au niveau sentimental. Alors, ça peut jouer au niveau général, parce qu'on a un travail, etc. Bien sûr, hein, c'est dans les énergies du jour. Mais là, moi, je ressens du sentimental, en tout cas pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Excusez-moi pour ce tirage un petit peu particulier aujourd'hui. Comme je vous dis, quand les enfants sont malades, on les garde à la maison. Et c'est pas toujours évident. Je vous embrasse fort. À demain. Ciao, ciao.